On va donc tenter de faire une émission comme chaque fois. D'accord. Belle phrase. C'est-à-dire en vous faisant réfléchir, en vous proposant des sujets de conversation, de discussion. Je prends le pari que ça va être compliqué. On va quand même essayer avec vous, tiens, Julien. Et pas de dessin, je suppose, aujourd'hui. Hein. Non plus. Non plus, voilà. Non, oui. Parce que voilà. C'est voilà. Les vacances jusqu'au bout. Hein. C'est ça. La mi-saison se termine. Et maintenant, il est temps de répondre aux nombreuses lettres des téléspectateurs que l'on reçoit. Ça, c'est bien. Ouais. Exactement. J'en ai sélectionné 5 pour vous. Elles sont là. Et on commence tout de suite par la première. Un premier courrier qui nous vient de Russie en plus. Donc on salue nos amis russes. Un premier courrier donc de Sergueï Kouzygov. Ah oui, ça va être que ça les lettres. Hein. On sent que vous l'aimez beaucoup quand même. Hein. J'avoue que je le supporte pas. Donc il n'est pas dans le top 3. Niveau climat, environnement et nature, il n'est pas dans le top 3. Donc souvenez-vous, le couple Macron lui avait offert le chêne de l'amitié. C'était aussi un hommage, c'était une symbolique, regardez comme ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Par rapport au pendant la guerre de 14-18, les 2000 Marines qui avaient perdu la vie. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait, tonton? Hein? Le monsieur à la peau orange, il n'a pas la main verte. Sur l'affiche de campagne de La République en marche pour les Européennes, quelle réaction a suscité ce chef-d'œuvre sur Internet? A. On peut m'expliquer dans quoi est passé le budget com? Hein? A. Ou B. Comment tu veux être en marche alors que Nathalie Loiseau, elle a l'air de poser pour une pub pour Montestalier Stana? Eh bien, celle-là est très... Elle est trop spécifique. Celle-là est très, très bien. C'est la B. Par contre, du coup, j'ai une question subsidiaire pour vous, Laurent. Mmh. Vu que je viens de dire Montescalier Stana, j'ai dit la marque. Et rapport au CSA, il en faut deux autres. Vous avez quoi, vous, d'installer chez vous? Allez, on va prendre l'air maintenant. On va prendre l'air avec Jean-Philippe Esca. Pour la... Quoique l'air que vous nous proposez, je ne sais pas s'il est si bon que ça. Hein. Écoutez, en ce moment, pas trop. On sait que les liens diplomatiques entre la France et l'Italie sont très tendus depuis quelques semaines. Non, c'est bien parce que je pensais qu'on allait parler de ski, mais bon, si vous voulez partir sur l'Italie, moi je veux bien, mais... On peut parler de la Dolce Vita, l'air de l'Italie. On va parler de ski surtout. On va parler de ski, alors, parlons de ski, mais il y a un problème. Vous allez changer de fiche et vite. Il n'y a pas de neige. Je veux bien parler de ski, mais il n'y a pas de neige.